I want to be there and baby dance the night away. I let my head down the line. Ici l'émission spéciale pour vous présenter la nouvelle star de la ville, le nouveau talent, la nouvelle directrice des OMC après le tragique décès de Tidam Stacy. Je vous renvoie à notre article. Si vous n'étiez pas au courant, il est mort, mais genre 1000 fois mort, 3000 fois mort même s'il faut. S'il vous manque, tant pis pour vous. En tout cas, au Weasel News, nous, ce soir, on vous présente la nouvelle directrice. Alors, mademoiselle la nouvelle directrice, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Oui, du coup, effectivement. Du coup, au Polka, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore croisé en ville, lorsque je fais mes petites patrouilles bonjour, bonsoir, ou bien si on n'a pas croisé effectivement à l'OMC. Donc, au Polka, donc, j'étais employée au sein de l'OMC, donc du LSMS. Et donc voilà, je reprends tranquillement les rênes à partir de ce soir, effectivement. À ceux qui diront que vous avez corrompu le gouvernement pour devenir directrice, qu'est-ce que vous répondez d'avance? Attendez, il est quelle heure? 22h20, j'ai appris ça vraiment à 21h45. Donc vraiment pas, vraiment pas. Avant qu'on me dise vraiment de venir ici, vraiment je venais d'apprendre la nouvelle, donc vraiment pas, pour le coup. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être directrice? D'avoir le droit de vie et de mort sur les gens? Est-ce que vous allez vous balader en ville en disant « Hey, je suis directrice de l'OMC, t'es mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire ?» Non, clairement pas. Vraiment. Déjà, je ne peux pas souhaiter telle chose. Non, tout le monde est... Il faut vivre, c'est quand même le but de vie, quand même. Mais non, je suis du genre simple. Vraiment. J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis pas dans ce genre-là. Donc non, je serai fidèle à moi-même et... Mais non, je vais pas prôner haut sur tous les toits et le crier bonjour. Ici, là, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme je suis. Ok, vous n'allez pas déclarer que les gens sont morts, mais peut-être seulement qu'ils sont blessés gravement. Je comprends. Vous avez des spécialités dans votre pratique dans la médecine? Oui, effectivement. Au fil de mes études et de ma carrière médicale, effectivement, je suis chirurgienne et psychologue. Psychologue et musicothérapeute. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Peut-être que je fasse quelque chose. Vous allez chanter pour que les blessures se résolvent. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, mais je sais que ça peut être utile, effectivement, plutôt en méthode de... Info exclusive, Weasel News, la nouvelle directrice des OMC va faire un concert demain. Truc de fou. Non. Mais qui sait, après, ça peut peut-être faire l'objet peut-être d'un événement si un jour, avec un petit concours de talent... Demain, 21h, ouais. Non, après, ça serait à voir avec la vie. On voir ce qui peut être. Non, ouais, demain, 21h. Vraiment pas. Félicitations. Non, du coup, est-ce que vous avez un petit message à passer à la ville, genre? Non, hâte de rencontrer ceux que j'ai pas pu encore rencontrer, les nouveaux arrivants aussi qui arrivent dans notre ville, qui se peuplent de plus en plus chaque jour, et c'est fort agréable. Manger, buvez, c'est bon pour la santé. Info exclusive de la directrice des OMC, elle souhaite que vous vous blessiez. Du tout. C'est en direct dans la télévision. C'est une exclusivité du Weasel News. La directrice des OMC, la nouvelle directrice, vient d'annoncer qu'elle voulait rencontrer tout le monde. Elle souhaite que vous vous pétiez un pied, histoire que vous lui payiez 160 000 $ d'opération.
Eh mais non, mais ça peut être vous rencontrer même sur un temps informel en ville, je passe en ville où vraiment il y a grandement la possibilité. Alors dites-nous un petit peu, est-ce que vous allez procéder à une réorganisation des services, genre fermer la moitié du bâtiment, louer l'autre moitié pour en faire un hôtel, ce genre de truc? Le bâtiment, non, il va rester tel quel. Par contre, il y a un petit changement que je vais effectuer, sûrement, c'est que le but ne va pas être d'être médecin pour ceux qui rentrent. Certains le pourront, bien sûr, si c'est leur souhait, mais faire plutôt deux branches, une branche médecin et une branche ambulancier, afin de pouvoir vraiment ouvrir les portes à plus de monde. Généralement, ça peut être beaucoup de stress et de responsabilité, on pense, en tant que médecin, mais certaines personnes veulent aussi pouvoir se lancer. Mais vraiment dans le soin et l'aide des autres, et donc ambulancier peut être une bonne perspective dans ces cas-là. Donc c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Info exclusive. Si vous n'avez pas de diplôme, la directrice des OMC, au point le cœur, vient de déclarer que vous ne serez qu'ambulancier. Vous n'avez pas le droit de devenir médecin. Vous ne Ah non. serez pas formé et vous serez payé au lance-pierre. Ah non, pas du tout, c'est un équivalent. C'est les deux branches sont identiques dans ce cas-là. C'est juste deux parcours possibles avec toutes deux différentes spécialités possibles. Non, non, c'est juste deux branches. Ne vous inquiétez pas, je dis ça pour le buzz. C'est pour que ça fasse du clic. Ah ouais. Bah alors Vous cliquez en faites pas. Est-ce que vous allez vous mettre à la recherche d'un nouveau staff, de nouveaux médecins? Est-ce que les OMC, en un mot, recrutent? Clairement, oui, clairement. Ça Très veut oui, bien. clairement. Eh bien, écoutez, info exclusive Wazzle News. Si jamais vous cherchez à faire une carrière dans les professions médicales, à devenir un médecin, à obtenir des informations d'une capitalité capitale, vous le pouvez. N'hésitez pas à vous présenter à l'OMC. Moi, je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, mademoiselle Walker? Non, bon, ça me semble tout bon. Vous avez rudement mené ces petites interviews. Moi, ça me va parfaitement. Je vous Eh remercie. bien, c'est parfait. Nous en terminons maintenant avec cette interview. N'hésitez pas à aller à l'OMC. N'hésitez pas à lui faire des poutous dès que vous la voyez parce qu'elle est toute mignonne. En plus, elle a dit qu'elle allait nous reprendre le yeuf qui pue la pisse. Et ça nous fait vachement plaisir au Weasel News. C'était le Weasel News.